À cœur ouvert, James Middleton a perdu l'un des êtres humains qui lui était le plus cher plus tôt dans le mois. En deuil de sa chienne Ella, un cocker spaniel qui l'a accompagné pendant 15 ans dans les différentes phases de sa vie, et qui l'a sauvé de la dépression, le frère de Kate Middleton est inconsolable. James Middleton a souhaité s'exprimer sur ce vide dans sa vie, dans le Times de ce 29 janvier 2023, afin de sensibiliser le public à la perte d'un animal, et au pouvoir guérisseur des chiens de thérapie. Que nous soyons propriétaires d'un chien ou non, nous connaissons tous ce moment dans notre vie, durant lequel nous nous trouvons face à la difficulté de donner un sens à la mort, et personne ne peut vous préparer à ce vide, écrit-il dans une longue tribune déchirante. Souffrant de dépression, et étant même passé par des phases suicidaires, James a trouvé en sa compagne Ella, un soutien indéfectible, et un amour qui se passe de mots. Toujours en duo, James ne se déplaçait jamais sans sa chienne, au point que c'est elle qui lui a permis de rencontrer sa compagne Alizée. James remercie ses sœurs, Kate et Pippa d'avoir été là pour lui dans ce temps de deuil difficile, et il rappelle dans son texte à quel point il est important d'avoir accès au chien pendant une thérapie, ou lorsque l'on souffre de problèmes de santé mentale. James Middleton découvrait les secrets de son compte Instagram. J'aime à rencontrer Alizée grâce à Ella dans sa longue tribune, si émouvante. James se rappelle de son premier rendez-vous avec sa femme Alizée. J'ai rencontré Alizée grâce à Ella, après qu'elle a foncé tout droit vers elle dans un restaurant. J'ai alors écrit une petite note, qu'Alizée a gardée. Je l'ai signé de la part d'Ella. J'avais écrit quelque chose comme, voudriez-vous sortir avec moi pour un verre, et j'amènerai avec moi mon ami James. Un message adorable qui a convaincu la Française de sortir avec les deux phénomènes. Le couple s'est marié en septembre 2021, avec Ella à leur côté. James Middleton a le courage de partager ses émotions avec le public, même s'il s'agit de la perte d'un animal, et sa lettre à sa chienne disparue n'est que plus touchante. Crédit photo, Backgrid UK.